Bienvenue dans ce deuxième Marie Vlog. Aujourd'hui, on va tenter de parler organisation. Ouais, c'est drôle, rien que de le dire. On va se faire tatouer, faire de la musique ensemble et même de la radio, vous allez voir. Bon, j'ai essayé de faire le ménage. Il y a encore un petit peu de bordel derrière. Et en faisant le ménage, eh bien, j'ai une petite piqûre de rappel quand même. Il y a des choses que je n'ai pas regardées, encore que je n'ai pas pris le temps de regarder et qui sont pourtant chez moi depuis 2 semaines et demie. En fait, il y a quelques mois maintenant, ont été annoncées les couvertures des GQ et de Vogue Corée. Et chaque membre de BTS avait donc sa couverture. Bon, évidemment, sans surprise, hein? Bon, voilà. Mais j'ai pas pu me retenir parce que, quand même, hein? Évidemment, je pouvais pas laisser les 7 passés, ils sont juste magnifiques, tels de jolies égéries de Louis Vuitton, hein, puisque je le rappelle, ils sont égéries de Louis Vuitton, et ça leur va plutôt pas mal. Et donc voilà, et j'ai pas pris le temps de le feuilleter, et je dis bien feuilleter parce que bah, c'est coréen, donc j'ai pas encore appris le coréen. Donc voilà, il va vraiment falloir que je m'y mette par contre, hein. Terrible, 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 parce que les interviews sont, ont l'air assez intéressantes. Bon, évidemment cette fanbase est assez bien, est assez bien fournie. Donc il y a effectivement des traductions disponibles. Mais j'aimerais bien, moi, les lire de moi-même, quoi. Il va falloir que je m'y mette. C'est pas tout parce que je me suis dit... En fait, j'ai pour mission, j'ai pour envie, pas mission, c'est une mission que je me donne à moi-même, personne ne m'a donné cette mission, mais j'ai pour envie quand même de faire exister donc cette chaîne YouTube, mais pas que. J'ai aussi envie de prendre le temps de me remettre à créer des chansons. J'ai aussi un petit peu envie de gérer un petit peu mieux mon temps quand je quitte la radio. Parce que se lever à 4h du matin, bah, ça épuise en fait. Et ce qui fait que comme je ne suis pas organisée, eh ben, je ne peux rien faire. Alors, mon deuxième cerveau, mon deuxième cerveau, j'ai nommé Flo, m'a conseillé un planeur, en fait. Un planeur. C'est joli dit. Eh, mais Flo, tu ne me fais pas acheter du caca, jamais, hein. Qui fait cet arrière-plan, hein. C'est parce que juste j'ai fait la lessive et donc du coup, et ben la couette, je l'ai lavée et tout. Voilà, c'est tout. Ah, c'est joli, en plus c'est violet. On est sur un truc très très bien, c'est trop beau. On va essayer de l'utiliser, hein, que j'ai pas dépensé, je sais plus combien ça m'a coûté, mais que j'ai pas dépensé autant de thunes pour rien. J'espère vraiment que je vais m'en sortir. Je vais réussir enfin à organiser ma life, mes journées. Mais par contre, Flo, elle m'avait dit qu'il y avait des stickers et tout, et il n'y en a pas, je suis très... Parce que les stickers, on est d'accord, ça donne envie de décorer et tout, ça motive quoi. Il n'y a rien. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Bon ben voilà, je suis définitivement une adulte, il va falloir que j'écrive dessus et que je me motive sans stickers. Voilà. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de stickers. Flo est en train de se moquer de moi. Mais voilà, il y a bien les stickers. Ah, cette organisation, elle commence bien. Bonjour Antoine. Ne me juge pas, je t'en supplie. Je ne te jugerai absolument pas. Tu veux quoi? Tu veux les voix par derrière? Tu ouais, veux quoi? Je veux les voix et l'instru derrière, s'il te plaît. Je veux tout. Ah, je veux tout? Ouais, ouais, okay. Juste pour que je me mette. Alors, je te remets un peu derrière. Je vais le garder comme ça. Il est très bien. Je dois dire que j'avoue,
Très bien. Ça fait très Dido et Eminem à les deux. Hey. Je reste comme ça en léger derrière. Oui. C'est vraiment des ambiances de. Ah ouais, c'est très bien. Et vous y serez aussi, là là là. C'est pour ça que toute cette semaine, on vous offre des invitations. C'est très très simple pour participer. Rendez-vous sur le site latina.fr. On va accueillir l'euro gagnant ou l'heureuse gagnante du jour. Avec nos amis de la Matouk. Allez, allez, allez. Anne Summer Nicolas qui gagne ce match pour le concert des Maluma, c'est Mélanie. Ouais, je fais quand même le meilleur métier du monde, c'est-à-dire que je me réveille pour offrir des places de concert aux gens. Voilà, ça c'est la vie que j'ai choisie. Et puis parfois, il y a Mardi Gras, ça se passe comme ça. Voilà, tous les matins, c'est un petit peu la fête pour moi et je suis heureuse de pouvoir partager un bout de tout ça avec vous.